全機能解放。何をそこまで求めるのかしらね。Donc alors attention, c'est parti. Jackal qui se laisse pas faire, qui utilise un manque, qui arrive tout de suite, qui fait combo et qui presse dans le corner. Oui, c'est parfait pour l'instant, la Jackal qui est en vraiment bonne posture. Kimaf qui a réussi à rouler, donc c'est bon, il va pouvoir mettre son jeu en place. Il se laisse pas faire, l'overhead qui passe, combo derrière. Ah, il se drop malheureusement. Jackal qui invoque, le vent qui passera pas derrière, Kimaf qui fait un combo. Donc le pressing pour l'instant de la part de Lambda. Kimaf qui est quand même plutôt agressif. Donc attention, Counter qui passera pas. Là ça y est, c'est parti pour un combo de la part de Kimaf. Kimaf qui vient de changer de forme. Rachel qui pose des invocations. Attention, le counter assaut de la part de Kimaf. Kimaf pour l'instant qui essaye de zoner, qui empêche Rachel de s'approcher. Donc Rachel qui court tout droit. Et Kimaf qui utilise le burst pour pas se faire presser de la part de Rachel. Le combo, le dragon qui passe derrière, oui ça continue. Il fait un joli combo là, je pense qu'il veut. Il peut le tuer. Ah non, ça burst. Il veut vraiment pas se laisser faire. La chape qui passe. Le combo heureusement qui continuera pas. Attention, c'est passé le counter assaut. Attention, ils sont vraiment à triple nuit chacun. Et c'est Kimaf qui passe pour l'instant. Rebel 2 Action. Donc alors attention, pour l'instant Lambda qui fait toujours son côté zoning, c'est plutôt pas mal. En plus avec un combo gratuit derrière. Jackal qui essaie de s'approcher tant bien que mal. Il esquive même les overheads, donc c'est bien, il garde tout. Attention, il vient d'utiliser le vent, invocation. Là il esquive après, il va réussir à ouvrir avec son pressing. Donc ça passera pas, joli backdash de la part de Lambda. La jolie chop de la part de Lambda aussi. Attention, le combo derrière qui passe. En plus en corner, ça va faire mal. Oui, 3000 déjà, ça fait plutôt bien mal avec Oki en plus. Donc l'overhead qui est passé en plus derrière, la Jackal qui est vraiment, vraiment embêtée. Et je pense que ce sera la fin là-dessus en plus. Oui, ce sera la fin là-dessus. Ouais. Please select your character. Rachel Alucard. 13. 3 secondes les gars, 3 secondes. Samsung, Tsukuyomi to Seishoku. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1, action. Bon, attention, c'est reparti. Pour l'instant, l'avantage de la partie de Kimaf qui ouvre la garde. Oui, c'est bon, il change de forme. Ah, la suite du combo qui est pas passé. Pour l'instant, il rechange de forme. Il va essayer de zoner. Rachel qui essaie d'approcher. Mais qui passera pas. Ça va ouvrir. Il va contre derrière. Oui, c'est bon. Kimaf qui est vraiment pour l'instant très très bien dans la partie. Donc attention, le counter de la part de Rachel, il utilise du vent avec Loki et les grenouilles. Oui, l'overhead qui passait, mais il a pas. Si là, maintenant il réussit à linker, mais après, dommage. Donc là pour l'instant il essaye. Donc là le burst qui vient d'être claqué de la part de Kimaf. Kimaf qui fait l'overhead et qui passe pour remettre à zéro. Donc là Jackal qui se laisse pas faire, qui utilise la Fury. Là Kimaf qui a vraiment beaucoup de barres, donc va falloir qu'il fasse attention. Le burst qui est toujours là de la part de Rachel. L'invocation qui est passée, oui c'est bon, dans le corner. Non, je pense pas qu'il va réussir à la finir, ça m'étonnerait. Et si ça passe. Rebel 2 Action. Donc pour l'instant les deux joueurs. Ah, il y a 17, on va faire qu'il utilise tout le vent possible pour pouvoir s'approcher. L'air shop qui est passé avec combo derrière. Ça risque de faire mal. Oui, 3000. Donc attention, Jackal qui essaye de s'avancer. Le counter qui est passé. Il a utilisé du vent, mais il a pas pu linker derrière. Le counter qui live, le joli counter en plus avec Orban, ça va faire très mal. Ok, donc il a bursté. Kimaf qui va bientôt récupérer son burst. Jackal qui fait un coup de terre mais qui va pas linker derrière. Oui, le RDH qui est passé avec le combo derrière. Et la Fury en plus. Donc là Jackal qui a vraiment un pixel de vie. Est-ce qu'il va réussir?
Oui, la Russie pour l'instant le counter, ça a bursté en plus. Et Jackal qui s'est fait prendre le dernier coup. Le dernier point de vie. Donc l'invocation qui passe avec le counter dans le corner. Le combo classique. Avec Loki, oui c'est bon Loki en plus qui est bien passé. Il va faire son combo tranquillement derrière. Là pour l'instant Lambda qui est vraiment... Oui en plus ça reprend derrière grâce à Loki. Donc là pour l'instant on est bien parti. Il a essayé de roll mais ça n'a pas réussi. Derrière Jackal qui a puni convenablement. Et en plus le combo ça va peut-être faire le perfect. Et non, pas le perfect malheureusement. Et là qui m'a peut-être... Il va essayer de revenir je pense. Ce serait pas son genre de laisser le match comme ça. Le burst de la part de Rachel qui est revenu. Jackal qui a repris, oui. Et la furie ça passe. 1-1 pour l'instant. Allez les gars, encouragez Jackal et Kimaf. Voilà. Ah, je suis le côté technique, moi je suis le côté hype, c'est ça. Voilà, toi tu gueules. Et moi j'essaye de dire. Ok. Donc nous avons Mao, un grand connaisseur du jeu, qui nous rejoint. Voilà. Donc attention, 1-1. Le match est toujours en 3 ou en 2 en Ok, 3, en 3, là, donc ça. Toujours en 3. Donc 1-1 pour l'instant, égalité parfaite. Rebel 1. Donc qui saura prendre l'avantage sur ce match? Oui pour l'instant Jackal qui sait se faire et qui reprend. Qui fait overdrive. Qui va utiliser tout son lance je pense. Avec un jeu de niveau derrière. Il a aucun trophée en tout cas. Ouais on a remarqué qu'il avait aucun trophée. Ils ont gagné beaucoup en même temps. Oui le counter qui passe derrière. Qui l'emmène en plus dans le corner. C'est plutôt bien ça. Ouais, ça marche pas sur Rachel parce qu'elle prend attaque, elle peut faire du vent, bouger, elle évite le coup de nez qui bloque normalement de V13. Là par contre elle débute des ennuis, il a pas de burst, il est dans le coin. Il a, du il a réussi à sortir en plus. La shove qui est passée, en plus il a la barre, il peut faire Fury. Non, il va pas la faire, la shove c'est pas rentable. Regarde sur le counter, là c'est fini. Il n'y a pas d'entière. GG Jackal. Alors un round. Donc attention, c'est reparti. Là, il a essayé de faire. Là, il aurait pas dû, je pense. Ah non, il aurait pas dû, ça se voit. Là, il s'est bien punir de la part de Kimaf. En plus, il en met un. Le point, non. Il n'y a pas de knockdown. L'invocation qui est passée. En clear. Il combo, il est dans le point. Il rate pas. Il rate pas. Voilà, là, c'est le début des ennuis. Maintenant, il va falloir bloquer. Voilà, il va pas bloquer. Faut savoir que Rachel, c'est un des persos les plus durs à bloquer du jeu. Il y a un instant override en plus, frame. Donc Kimaf qui vient d'utiliser le burst sur la fin du logo. Bonne entière. Donc attention, ça va faire. Oui, ça fait des bons dégâts. Ça fait des bons dégâts. Donc attention, pour l'instant, les deux persos ont à peu près 75% de barre. Donc ça peut faire toujours très mal. L'entière qui est passée, oui. Et il drop le combo, dommage. Ah, c'est dommage. Ça drop pas mal là pour l'instant. Pour l'attention de la finale. Oh, la chope. La chope qui est passée. Ça va pas tuer mais ça va pas être moins. Donc attention. Il a gardé sa barre. Légère avantage pour l'instant à Lambda. Et oui ça va finir là-dessus donc. Un round chacun. Donc attention, en plus c'est passé en counter, ça remet dans le corner, c'est bien, c'est le déclic tendu pour Lambda. Là elle peut pas sortir. Voilà en plus il reprend derrière, c'est parfait. Et il va y avoir un autre combo avec un autre knockdown, ouais, une autre grenouille. En plus il a posé les scènes. Voilà. Là tu mets ta garde. Ah il s'est bien passé. Ouais. La chope qui passe de la main de Kimaf. C'était osé mais ah dommage. Ça rate le combo, en pierre. Donc là, bon combo de la part de Rachel, et en plus il récupère tout son vent, donc c'est parfait. Et voilà, un instant de rêve, il fallait... Le burst qui va être utilisé de la part de Kimaf. Donc attention, la Kimaf qui est vraiment dans la tourmente pour l'instant, en plus Rachel a toujours le burst. Le counter assaut de la part de Jackal. Jackal là pour l'instant il est tranquille, il a bien l'avantage. Il a du vent en plus, il a la moitié de son vent, c'est plutôt bien. Kimaf pour l'instant qui revient petit à petit, oublions pas qu'il a de la barre. L'overhead qui est passé, théoriquement c'est fini. Et c'est fini. 2-1 de la part pour Jackal. Please select your character. Rachel Alhard.
T'as vu comment je suis beau. Donc allez, est-ce que ce sera peut-être la fin? The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. Les deux backdash pour l'instant. J'ai calculé l'utilité du vent qui vient de passer. Oh là là, le mauvais burst. Oh le burst. Bon là, c'est la folie. Ils font n'importe quoi. C'est bon, ils vont se récupérer. Ça drop. C'est bon, Jackal qui revient en overhead. C'est bon, là, c'est vraiment. Et là, là honnêtement, si Kimaf meurt pas, c'est vraiment bien joué. Ça va être vraiment dur. Dans le coin avec les traits contre Rachel. Avec pas grand-chose à la faire. Grenouille. Voilà, la grenouille. Et là, ben, encore overhead. Voilà, et c'est bon. Kimaf qui a fait un pas un très beau mouvement. C'était un petit tour de training mode dans le coin comme souvent avec Rachel. Voilà, voilà. Dans le coin, il a. Attends qu'il a pas de mort, c'est il a des bols, Jackal qui drop. La vocation qui passe, il est utile devant. La grenouille aussi mais qui va pas être utile. La chope. Il a préféré. Encore la chope, toujours. Encore une chope. C'est la folie. Il se croit sur Fry qui fait des chopes. Attention au niveau de la part de. Le rubber de la part de Kimaf, il avait raison. Là c'est chaud, c'est balle de match pour Jackal. Et oui. Et Jackal qui. Donc 3-1 pour Jackal. Loser 3-1. Donc Bordeaux en finale. Jackal rigole. Hein. Pas.